Bonsoir, bonjour, Mathilde, c'est Ben Litzner. Aujourd'hui, on est dans ce tout nouveau let's play. Enfin, pas ce tout nouveau let's play, tout nouvel épisode plutôt. Je m'embrouille, hein, je fais des bêtises. Et en fait, j'allais me dire, j'ai oublié de mettre le chrono, mais en fait, non, bah, y a pas besoin de chrono. Aujourd'hui, on va jouer Kirby. Et Kirby, je suis fort avec Kirby. Attendez, est-ce que j'ai bien configuré les touches? Oui, c'est bon, j'ai configuré les touches. Va-t'en, espèce de moche. Faut peut-être que je retrouve les touches. Parce que j'ai un petit peu joué à Smash Bros sur Melee. Enfin, Smash Bros Melee. Oh! Qu'est-ce que tu fais, Link? J'ai dit quoi? Écoute. Le but, c'est de me laisser gagner. Voilà. On avait dit quoi? On avait dit que je te donnais mes chips. Je t'ai donné mes chips, donc voilà. C'est vrai que j'ai les attaques B aussi. Oh, j'allais venir pour le taper en plus. C'est dommage, c'est dommage, je serais venu en mode Diolo, je vais venir te taper. Nya. Oups, j'ai oublié le. J'ai ouvert le meuble. Ok, Kirby contre l'équipe Yoshi. Est-ce que Kirby va être à la hauteur? Bien sûr, parce que Kirby, c'est un pro. C'est un bébé. Dans l'anime, ils disent que c'est un bébé. Je ne sais pas si c'est le cas vraiment dans le jeu, parce que je n'ai pas joué au jeu en fait de Kirby. Faudrait que un jour que je fasse un let's play sur un Kirby. Ça serait cool. Mais... D'accord. D'accord, je vais faire comme ça, ça va être plus rapide. J'ai plus de chances de les toucher, je crois. Ok, non. Voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné du Super Smash Bros. Et je sais qu'il va sortir longtemps après. Bien longtemps plus tard. Personne ne s'en est soucié de Smash Bros. Je crois. Je pense que personne ne s'est dit hey, quand c'est encore Smash Bros. Ah non, tu m'as pris un. Ah non, mais je suis triste. Bon, après, c'est un Pokémon nul, mais je voulais prendre. Oh, une tomate. J'aime pas les tomates, hein. Mais bon, j'ai toujours dit quand j'étais petit que c'était une tomate en chocolat. Voilà. C'était la petite anecdote inutile. Et c'est terminé, je peux me suicider. Voilà. C'est bien le suicide. Ça résout tout. Les mots que je viens de dire sont ironiques. Attention. Fox McClown. Ok. Ah oui, Fox. Oula, Fox. Fox. Je vais souffrir. Mais non, parce que Kirby, il est plus fort. Je sais pas si j'ai déjà pris Fox, en fait, dans le let's play. Je sais pas si on a déjà pris Fox. Je suis plus sûr. Ça m'étonnerait, il me semble plus. Je me souviens plus. Il y a quoi? Ok, toi, va-t'en. Non, non, non. Ouf. Oh purée, cette survie. Ouf. Je me suis pas fait toucher par le truc qui m'a jeté, mais je me suis fait toucher par autre chose. Nope. Ah non, mais je me suis fait tuer par un coup de cul, non mais... Non. Tu me déçois, Fox. Mais... Voilà. Il voulait pas se lever, je crois qu'il y a un problème avec la manette. Non, nope. J'ai dit... Oh, va-t'en. Vilain chien. Même si je sais que c'est un renard, parce que c'est, il s'appelle Fox quand même. Okay. Mais bon... Mais va-t'en, mais... D'accord. J'ai dit va-t'en. Non mais. Eh, écoute, tu vas être puni, hein, Fox. Hein. Je t'ai dit. D'accord. Oh, mais j'aime les bombes. J'aime. Oh, c'est une bombe. Non. J'ai dit non. Rip les gens qui avaient des écouteurs. Je crois que j'ai tué certaines personnes avec, avec leurs écouteurs. Je m'excuse, je vais éviter de hurler. C'est tellement rare, on ne s'y attendait pas. Voilà, va-t'en Fox, j'en ai marre. Je me suicide moi aussi. Non, j'ai dit que je voulais me suicider, je voulais pas aller au rebord. Ok, alors avec Kirby, généralement, c'est plus compliqué, il me semble. Je ne sais pas. Alors, voyons voir ce qu'il nous... Oh, mon dieu. Non, mais en même temps, les trucs de pulvérisation de cible dans ce jeu... Enfin, dans les...
Dans ce jeu, oui, dans ce jeu, pas dans les... juste dans ce jeu, hein. Ils sont horribles. C'est le parcours du combattant. Ok, 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 voilà. Ouh, je suis censé faire comment, ça? Bah, comme ça. Ok, est-ce que ça va être possible? Je pense que oui. Ah, on a le même truc que dans Super Smash Bros. Melee, tiens. Et voilà! Je pensais que c'était impossible, mais l'impossible fut révélé. Enfin, surmonté. Enfin, vous m'avez compris, je pense, hein, ou pas, mais bon. D'ailleurs, je vais ranger ça, voilà. Je les avais oubliés, malheureusement. Je pense pas que j'ai le marteau du coup avec Kirby, puisqu'il n'y a pas les attaques, c'est devant et... Ouais, c'est les mêmes. C'est dommage, ils auraient pu mettre... Non, s'ils auraient mis une moustache à Kirby, ça aurait fait vraiment bizarre. Mon dieu, Samus a tapé des ennemis. Je ne pensais pas que c'était possible. Je survis. Vous ne mourrez jamais. Vous ne mourrez jamais vivant. Ben justement, après, ils vont me tuer. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je dis des bêtises et du coup, ben, on meurt. Voilà. C'est le cycle de la vie. Ou pas, mais bon. Mais, allez-vous-en. Mais non. Mais non, j'ai... Mais oh, Yuzu! Vous allez moins rigoler quand je jouerai... quand je jouerai Pikachu, hein. Mais ils sont violents. Voilà, va-t'en Mario. Personne ne t'aime. Luigi encore moins. Luigi, Luigi, on t'appelle lui Mario Vert, hein, je te rappelle. Mario Vert va mourir. Va mourir Mario Vert. Non. Oh non, mais il a cru quoi là? Il a cru qu'il allait manger mon repas là. Il a cru pouvoir manger un fruit que je n'aime pas. Bon, mais oh. Et oui, la tomate, c'est un fruit, ce n'est pas un légume. Pour ceux qui ne savent pas, parce que oui, il y a des gens qui ne savent pas que la tomate est un fruit. Je crois que le concombre aussi, c'est un fruit. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est le cas. Il pique à eux. Non! Non mais t'es moche. Cette violence. Oh. Je crois que j'ai spammé cette attaque. Je vais rester comme ça. Je sais pas pourquoi mais c'était à prévoir. Mais... Non! Ah ah! Pikachu, il fait moins le malin là! Ouf! Pikachu, je suis désolé, mais là, Pikachu, là, il était fatigué, j'ai l'impression. Et les frères Mario étaient des tueurs, comme d'habitude. Ah bah tiens, il y a Mario avec nous! Ah bah tiens! Mario, il va peut-être être gentil. Et ne pas se suicider. S'il te plaît Mario, fais pas l'idiot s'il te plaît. J'ai à peine touché, ça fait à peine deux. Non, c'est il est un petit peu gros pour que je l'avale. C'est moi, j'arrive que à le toucher comme ça. Non, genre, et il a tiré tout seul. Il a tiré tout seul. Tu ne m'auras jamais. D'accord. Ok. Ah, il y a une carapace. Hop.
Il s'est fait enchaîner grâce à Mario. Non! Ouf. Soulagé. Ouf. Ah, c'était chaud. Bon, après par contre, je vais me suicider direct après ce combat, je pense. Pas en vrai, hein, mais bon. Même si ça aurait soulagé certains. Ah mince, si je l'aurais envoyé, il aurait... Ah non! Ah non, ça c'est moche, ça. C'est moche, très moche. C'est sale, très sale même. Kirby est un cadavre. C'est dommage qu'il n'y a pas d'émotion, Kirby. Ah! Mais... J'étais en mode, est-ce qu'il va remonter là? Parce que. Est-ce qu'il va être intelligent? Est-ce qu'il va aller dans le taux d'eau? Bah non, en fait, il n'a pas été intelligent. Oh, après, c'est Kirby. Oh là, oh non. Oh non, pas Kirby. Pas Kirby. S'il vous plaît. Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu descends comment? Mais. Kirby n'est pas un punching ball. On va rester bloqué pendant 2 minutes là. C'est un miracle si j'arrive à tomber. Mais non mais... Descends. Non. J'ai une idée. J'ai une idée qui est plus simple. Voilà. Je m'embête pour rien. Ok. C'était magnifique. Ironiquement. Allez, petit Kirby. Est-ce que tu vas battre tes frangins? Tu es plus puissant que les autres. Va-t'en, oust. Ok, ils sont pas plus... Oh. Oh. Oh oui, il y a des abeilles. Je ne sais pas, je ne connais pas le nom de ces Pokémon, je suis désolé. Ne me tapez pas. Oula. Écoute, toi, va-t'en, j'ai dit. Méchant. Ah! Ils sont hard! Peut-être qu'avec le bâton. C'est le bâton de la vérité! Non! Non, tu ne feras pas ton high une deuxième fois. Je reviendrai. Oula! Parce que je suis le jour et la nuit. Non, on ne mange pas ma tomate. Non! Et je peux plus voler. Je pouvais plus voler. On va poser là. Je pose ça là, voilà. Mais ils sont super durs à battre. Allez-vous-en, je ne vous aime pas. Surtout toi. Et toi, va-t'en. Tu as été adopté. Enfin, on n'a jamais vu la mère de Kirby, il me semble. Enfin, j'ai jamais vu d'image de la mère de Kirby, mais il me semble pas, quoi. Ce que je sais, c'est que... Ben, c'est rien, hein. Ma seule source de Kirby, c'est l'animé. Le premier animé qu'on avait gratuitement sur la Wii, pendant un petit moment. C'était sympa de la part de Nintendo, d'ailleurs. Mais bon, maintenant, faut payer, je crois. Ah non, je crois que maintenant, c'est sur... Si je ne dis pas de bêtises, c'est sur la DS maintenant qu'on peut regarder les épisodes.
sur la 3DS. Parce que mon petit frère possède une 2DS et il me semble qu'il a une chaîne. Enfin, il a. Oui, il a une chaîne. Je sais plus si on appelle ça des chaînes encore. Sur 3DS et Wii U. Perso, j'ai toujours appelé ça des chaînes à cause de la Wii. Hein. Parce que la Wii était considérée un petit peu. Enfin, c'était représenté comme. Comme un TV show. Un petit peu. Enfin, comment expliquer ça? En tout cas, il y avait plein de chaînes et on pouvait aller dessus, quoi. Samus, pourquoi tu t'es suicidé? Enfin bon, à vrai, vous connaissez la Wii, vous savez qu'est-ce que de quoi je veux parler. C'est pas comme si je parlais à un futur qui... Alors la Wii, elle va bientôt sortir, nous sommes en 2016, la Wii sort en 2006. Purée, la Wii a 10 ans cette année. C'est que maintenant que je m'en rends compte. Enfin, il me semble qu'elle est sortie en 2006. Oui, il y a du lag. Il y a du lag. Il y avait eu un tout petit peu de lag. Bon, attendez, j'essaie de me rappeler. Le joueur jaune, c'est le troisième ou le quatrième joueur? Ah, t'es qu'un quatrième joueur, espèce de noob. Désolé. Non, toi, mais va-t'en. Par contre, il y a un truc que je trouve illogique, c'est dans Melee. Je crois que c'est dans Melee. Oui, c'est dans Melee. Dans le mode classique, on peut avoir d'autres personnages que Mario en métal. Oh! Oh mon dieu! Oui, on peut avoir d'autres personnages que Mario en métal. Et c'est frustrant parce que c'est normal. Techniquement, Metal Mario, ça vient de Mario. Enfin, c'est pas frustrant, mais c'est ça fait bizarre. Mais bon, après, mélanger les univers, c'est un petit peu le but de Smash Bros. C'est un crossover. Et c'est le meilleur crossover pour ma part. Hein. Meilleur crossover du monde. Et je pense pas que je sois le seul à penser ça. Mince, c'est vrai qu'on peut pas encore vraiment bouger à l'époque. Enfin, quand je dis on peut pas vraiment bouger, c'est... Mais va-t'en ! Regardez cette magnifique position dans les airs. Non, quand je disais on peut pas vraiment bouger, c'est quand on attrape l'ennemi. J'ai remarqué au fil des Smash Bros, on pouvait de plus en plus bouger avec l'ennemi en bouche, avec Kirby. Surtout dans Super Smash Bros for Wii U, j'ai remarqué qu'on bouge beaucoup plus. En même temps, sur le coup, j'ai envie d'ajouter qu'on peut marcher avec. Enfin. Mario, par exemple, quand il porte un item, enfin une caisse, il court limite, alors que dans depuis Melee Brawl, si je ne dis pas de bêtises, il marchait lentement, alors que après il marchait beaucoup plus vite. Si je dis pas de bêtises, attention, ça fait un moment que j'ai pas joué à Smash Bros. Super en Wii U et en plus je joue sans item moi. C'est ce que je fais. 2, 1, go! C'est l'heure de la souffrance. C'est l'heure de la souffrance. Tu ne vas pas réussir. Une ellipse, tu te taperas. Ah, ah. C'est totalement nul. Ok, bon, par contre. Ça aurait été marrant d'avoir un petit pouvoir invisible. Oh non! Écoute, je laisse tomber, moi. Moi, je m'en vais, moi. Je démissionne. Je poste ma démission chez Nintendo. Si je faisais un partenariat avec eux. Ce qui n'est pas le cas. Mais bon. Ah! Non! Vous ne mourrez jamais, bande de moches. Voilà, mourrez. Kirby. Oh! Non, je sais qu'il y avait ça dans Smash Bros. For Wii U, mais quand même!
Comment je vais faire pour lui récupérer le marteau? Est-ce que je peux récupérer le marteau? Non, mais je peux le faire valser, le mec. Donc c'est bon. Ah, ouf. J'ai juste eu de la chance au dernier moment. Bon, alors, je pense pas survivre pour créer à main, mais bon. Au moins, essayer de survivre à ce petit reste. Ah! Il n'en reste que 3, ça serait décevant de mourir au dernier moment. Ah non, non, vous en allez. Je ne veux pas de vous. Je ne vous ai jamais aimé de ma vie. Jamais. Jamais, je vous déteste. Allez, la créa main. D'ailleurs, ils disent la créa main alors que... Après, dans les autres jeux, ils disent juste créa main. Oula, Ouh. Ah. Oula. Je vais tout faire pour ne pas mourir. Non, tu ne me l'as pas. J'essaie de faire des trucs comme dans les compétitions sur... Super Smash Bros. Melee. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de jouer en bourrin comme dans les championnats de Melee. Non! Ouf. Je crois qu'il a cassé mon bouclier au dernier moment. Oh, j'ai de la chance. Oula. Oui, je vais tomber dans le vide. Oui. Ce que j'essaye de faire depuis le début du let's play, je l'ai réussi avec Kirby. Me jeter dans le vide au dernier moment. Ah, mon rêve s'est enfin réalisé. C'est bon. On peut quitter let's play. Alors, c'était le dernier épisode. Hein. Je me suis bien foutu de vous depuis le début. Non, je rigole. Hein. Il restait encore 3 personnages. Et ça sera terminé. Ok. Où il est le crédit. Dépêche-toi, s'il te plaît. Crédit. Voilà ce que j'en dis. Let's go, go, go. Kirby, 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 c'est notre super héros. Kirby, 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 oui, c'est lui qu'il nous faut. C'est une petite boule rose qui est vraiment grandiose. Mais là, elle était bleue. Ok. Bon, bah, on se retrouve. Ah, bah. On va jouer Fox la prochaine fois. Allez, moi je dis bye tout le monde et portez-vous bien.